Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on s'était arrêté ici. Allez, on va reprendre rapidement vers là. Comme ça, ça nous permettra tout simplement de pouvoir continuer tranquillement. Alors là, la galerie va être un petit peu inondée, donc ce qui est bien, c'est que ça va faire monter le niveau de l'eau. Maintenant, ce sera à moi de faire super attention, de ne pas faire n'importe quoi. Je sais pas si je peux passer par là-bas, attendez, par curiosité. Je pense pas vraiment, mais... Ouais, tu vois, je pense pas, mais peut-être qu'il peut y avoir en fait des petits passages. Si, 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 justement, il y a un petit passage qui va nous mener vers où en fait? Vers ici. D'accord, parfait. Ah bah d'accord, bon bah voilà, encore mieux. On a trouvé le passage. Bah voilà, on a réussi enfin à avoir l'artefact en question. C'était pas forcément fastoche, mais en tout cas on l'a eu quoi. Ah, là je pensais qu'il y avait encore autre chose. Attendez, avant d'y aller prendre le vrai truc, j'essaie de vraiment tout dérober sur mon passage. C'est parti pour le truc le plus sacré du jeu. Manuscrit ancien, des dons de la terre. Magnifique. Ah, tu vois, les ressources en fait apparaissent à proximité. J'adore. Nickel. Là, franchement, je suis content parce que enfin on arrive à trouver des petits trésors et des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant en fait de pouvoir voir en fait qu'on a cette possibilité. Donc après, pour repartir, bien évidemment, c'est derrière. Non, franchement, c'est bien. Donc j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. À partir de du 8 hein, décembre, vous allez avoir des épisodes beaucoup plus longs. C'est-à-dire, ce sera plus limité, on va dire, à 15 minutes. Parce que normalement, j'ai bien dit, normalement, je suis déstriké automatiquement. Donc je sais pas si ça se fait automatiquement. Il faut que je refasse la demande auprès de YouTube. Mais après, ça nous permettra d'avoir des épisodes un petit peu plus longs. Parce que 15 minutes, sincèrement, je vais pas vous le cacher. Moi, ça m'embête un peu quand même. Hein, parce que je trouve qu'on ça coupe un petit peu trop dans le jeu en fait. Hein. Je préfère des épisodes plus longs. Comme je faisais à l'époque, 30 minutes, c'était franchement pas mal du tout quoi. Donc là, je regarde un petit peu ce qu'on peut fabriquer. Parce que j'avais pas mal de petits accessoires. Donc les armes, bon, j'ai pas la possibilité de les améliorer pour l'instant. Donc les pièces, on les a pas encore trouvées. D'accord. Est-ce que je peux améliorer certaines choses? Non, pour l'instant, j'ai pas encore le niveau requis. Parce qu'il manque des outils de fabrication. Bon, c'est pas trop grave. Je vais essayer de faire retour en arrière. Voilà, je repars un peu en arrière. Donc moi je viens d'ici. Allez, je m'en vais d'ici. Espérons qu'on va pas tomber sur je sais pas trop quoi. Donc je vais profiter aussi pour prendre vite fait des arcs. Même si après on n'a pas forcément l'utilité d'en avoir énormément. Rappelez-vous, franchement ici c'était une super belle galère hein, quand même. Hein. Mais c'est bien parce que... Moi, ce que j'aime bien sur Lara Croft, c'est ces petits secrets-là, en fait. Bon, c'est chiant quand même à faire, on va pas se mentir, parce qu'il y a des secrets qui sont plus ou moins faciles que d'autres. Mais après, on prend vite goût à l'aventure. Voilà, je pense que maintenant, le mieux, c'est de repartir pas par là, parce que c'est par là, je crois, que je dois venir. Non, en fait, t'as dit des bêtises, c'était vraiment... Ah, j'ai ouvert le petit coffre. En fait, des fois, tu te perds, hein, je sais pas où c'est. Hein. Franchement, on me demandait plus où je dois me retrouver le chemin, parce que je sais plus où j'étais, en fait. C'est pas grave, je vais essayer de prendre la petite galerie ici. Comme si de rien n'était. Espérons qu'elle me mène à la sortie. Allez Lara, montre-nous de quoi tu es capable. Attends, va pas trop vite, va pas trop vite, t'es pas pressé, ça sert à rien. D'accord. En fait, tu vois, ça s'appelle se faire prendre une belle banane. C'est qu'en fait, j'étais ici à tout à l'heure. Mais bon, le petit souci, ce qui est bien, c'est que je peux sauter. Voilà, j'avais oublié qu'elle avait cette capacité de pouvoir re-escalader certains rochers. Parfait. Donc voilà, on va commencer enfin à sortir d'ici. Mais vous avez vu franchement les petites cachettes qu'il y a? Quelqu'un qui passe toujours la tête baissée, bah il va louper tout ça en fait, malheureusement. Ouais, aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Ouais. Je crois bien.
fait, je sais même plus où j'étais tout à l'heure. Donc là, je sais que c'était pas là. Franchement, je suis même pas sûr si je suis en train de faire le bon choix, en fait. Vu que ça fait un petit moment que j'ai pas prêté attention. C'est bon, je crois que c'est la sortie. Le complexe soviétique. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça m'affiche enfin l'objectif. Donc ouais, c'était bien là. Je regarde rapidement s'il n'y a pas un autre truc quelque part là. Ça, je devais tout simplement le détruire, je me souviens bien. Allez, on va sortir d'ici. On va détruire les fameuses antennes en question. Mais c'était pas mal quand même leur petite cachette ici. Hein. Mais j'avoue que l'énigme n'était pas quand même évidente. Hein. Lara, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lara, s'il te plaît. Ça, c'est bien ça. Donc, je vais sortir de ce complexe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des objets qui réapparaissent. Tu te fiches pas un peu de moi là? Une huile à pétrole. Il manque plus que la vodka pour être. Attends, je crois que tu peux passer par là. Je suis pas certain. Si, si, j'avais raison. Tu peux passer par là. Je crois que je suis plein, non? Non, ça va, je suis pas plein. Donc j'ai un ressort, au cas où je dois fabriquer un truc pour mon arme. Donc, il y avait des éléments affichés un petit peu sur la carte, un petit peu partout. Hein. Attends. Je reste juste rapidement. Ah, Body, il fait quoi? Silence radio, c'est pas là, c'est plutôt là-bas. Attends. C'est pas évident. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais zoomer. Non, j'avais raison, c'était derrière. Donc en fait, l'objectif se trouve derrière. Là, j'ai une tente. Okay. Je regarde en fait par curiosité parce que parfois ça peut être intéressant. Il y a une plaque ici. Tu as été la première à faire briller l'étoile du progrès. À la gloire des cosmonautes. Ah bah voilà. Bon là, ça va être risqué de sauter là-bas. Mais bon, je vais essayer quand même. Ah, je suis assez curieux, moi, dans le jeu comme ça, de tout explorer, en fait. Ne pas me poser trop de questions, mais de vraiment me donner les moyens de tout voir, quoi. C'est quoi, ça? Les plumes. D'accord. Ça me permettra d'avoir un arc, en fait. Donc là, il y a rien de la grosse récompense que j'ai en face de moi. Eh, mais c'est trop abusé, tout ce qu'on a, en fait. Hein. C'est kiffant, hein. Donc, si je saute par là, tu me diras que c'est un bon choix ou pas. Ouais, c'est un bon choix. Allez, Lara, ouvre-moi ça. Ouais. Donc là, on a trouvé une pièce. Ok, 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 ok. Donc la grotte était là-bas. Donc après, ici, il n'y a pas forcément besoin. Attends, quoi que, attends. Parce que je me souviens que je pouvais pas passer par la cage. Je regarde, hein, parce que des fois, on peut passer par la cage, peut-être, je sais pas. Hein. Je dis ça comme ça, mais après, j'en sais vraiment rien. Non, 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 t'as pas la possibilité de passer où tu veux, finalement. Donc, il y a des endroits, en fait, on ne peut pas accéder. Hein. Par exemple, ici, juste en dessous de moi, je peux pas. Ouais, bah, tant mieux. Donc, Lara, elle est prête pour repartir de l'autre côté. D'accord. D'accord. Dans les fesses du... Ah, il y a des loups. D'accord. Ah, il s'est rebellé encore. Tu vas se calmer, lui. En fait, pourquoi je les tue? La réponse est simple. Ça me permettrait d'avoir de la peau et de l'expérience. Là, tu vois, ça me fait un peu de peau et un peu d'expérience. Et après, ça me permettrait aussi de pouvoir me faire très rapidement, par exemple, des sacoches ou des trucs comme ça. J'appuie sur Select, histoire de voir si je suis dans le bon endroit. Je commence à me rapprocher. Donc, c'est quoi le petit truc, là, juste là? Attends. Ce qui est bien, c'est qu'il me dit, en fait, exactement où je dois aller. Ah, d'accord. Vive la carte, hein. Faut pas que t'aies peur, petit oiseau. Body va te prendre... Il va prendre l'arc. D'accord. Je préfère, en fait, commencer par l'arc. Comme ça, ça me permettra de pouvoir... être un petit peu plus... un petit peu plus furtif, en fait. Au cas où, par exemple, j'ai des ennemis à proximité. Hein, et je dis des bêtises, mais ça se peut que ça soit ça. Body, ça serait bien que tu zoomes un peu, non? Ouais, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Donc, je suis sur le bon chemin, ça veut dire que c'est quelque part là-haut. Ouais, le truc de radio, c'est là. Et comment on y monte?
Juste une petite question de curiosité. Attends, là c'est la chasse, hein. Ouais, la chasse loupée, quoi. Hé, hey, petit, viens ici. Petit! Mais petit con! Oh non, petit con, il est parti. Il est parti. Il est comme ça, lui. No nouveau tombeau. Allez, j'y vais tout de suite, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ah, là, il y a de la bouffe, de la nourriture, ça me permettra de pouvoir me faire des flèches. Voilà, nouvelle compétence. Tu vois, j'avais raison. Donc, il y a trois grottes encore à explorer. Encore deux. Après, c'est là. Je pense pas que j'ai la capacité de pouvoir l'ouvrir, ça. Pas moyen de l'actionner. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié qu'on pouvait en fait avoir ce désagrément sur le jeu. Tant que j'ai pas l'arc en fait qui tire. C'est pas qui tire, mais qui a la capacité de pouvoir supprimer certaines choses, je ne peux pas. En fait, c'est une corde raid où tu tires, etc. On va voir après. Moi perso, je vais pas me gêner, je vais sauter par là-bas. Ouais, c'est ça. J'adore comment tu peux rêver dans un jeu comme celui-là. Bonjour, je suis un grand rêveur. Je voudrais sauter ici, s'il vous plaît. Merci Lara, t'es trop gentil. J'entends des loups. Il va se calmer le loup là. Et là, tu fais quoi pour... Comment tu casses ça déjà? Attends. Je peux pas passer de l'autre côté moi aussi. Je peux la faire escalader ou pas? Ouais, bah ouais, tu l'as vachement fait escalader. C'est bien, t'as tout compris, mais un petit peu à l'envers. On va rien dire, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Attends, je réfléchis, parce que le temps que je réfléchis, ça prend un peu de temps. Donc, c'est bien. Il y a peut-être un moyen d'accéder à l'ancienne prison. Merci pour l'indice. J'aurais pas deviné. Je te jure, j'aurais même pas deviné. Moi, pour moi, je pensais que c'était plus haut. C'est quoi ça? Les parois pour escalader. Ah bah tiens, juste en face. Comme quoi que des fois, on peut avoir des surprises, hein. On fait pas forcément attention à tout l'environnement. Mais là, du coup, on va avoir enfin ces fameuses antennes. Ça, j'aime bien. Ça me permettra d'être un peu plus tranquille. Non, 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 Lara, Lara, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais Lara! Relève-toi, espèce de gifofolle. Casse-moi ça. Voilà, maintenant, à partir de là, il n'en reste plus beaucoup. Donc, Lara, tu vas te calmer un petit peu, s'il te plaît. Attends, il y a peut-être un truc en bas, non? Non, il n'y a pas grand-chose en bas, je crois, si. Ah non. Ouais, c'était des champignons en fait qu'il y avait. D'accord. Bon bah maintenant, t'es un peu en mode galère. Donc en plus, c'était bien parce que c'est par là que je devais passer. Oh non, c'est pas vrai. Il va encore commencer, mais de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on peut se crocheter ici. Et Lara, je t'ai dit que j'ai envie de passer par là. Voilà, t'as compris. Par contre, on entend vraiment les loups, hein. Attends. Ah, c'est... Des fois, ce qui est un truc qui est chiant, regardez, parce que je suis bien là-bas. Mais la caméra, en fait, elle s'oriente pas vraiment de la bonne façon. Donc ici, je pense qu'on va avoir des sacrés ennuis. Je sais pas ce que vous en dites. Donc après, est-ce que j'ai la possibilité de passer quelque part par le cordage? Ouais, oh lolo. Il est quand même haut, le cordage, là. Je crois qu'en fait, j'y étais tout à l'heure ici, quelque part. Donc on n'est pas dans la bonne direction, on va pas se mentir. Ah, quoique. En fait, je commence à me diriger vers la bonne direction, mais moi, comme un idiot, j'ai pas encore découvert certaines choses. Bon, désolé, hein. Je repars un peu en arrière. On va pas faire non plus les foufous. Oh, purée. Parce qu'en fait, on a des grottes encore à débloquer. Les tours radio, elle est juste en face. D'accord, c'est là, on la voit. Mais par contre, j'ai pas le cordage pour pouvoir l'aligner. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, les amis, moi, pour l'instant, je m'arrête là. Donc je vous retrouve encore pendant quelques épisodes, j'irai 3-4 en 15 minutes et après on passera aux 30. D'accord? Donc prenez soin de vous, je pense que ça va vraiment vous faire plaisir enfin de pouvoir savourer pleinement le jeu. A tout à l'heure!